Et eh bien bonjour tout le monde, c'est Lemikoupa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pokémon. Je me suis fait tout le monde et nous sommes ici, en ville. Où on devrait se faire une arène, mais attendez, je regarde juste mon... Ouais, on va peut-être passer à la ligue. La ligue n'importe quoi. Ici. Et hop. Bonjour, bienvenue. Très bien, donnez-moi vos Pokémon. Ah merci, à bientôt. Allez, on va se faire la deuxième arène aujourd'hui. J'espère. En fait, ce qui est emmerdant, contrairement aux autres jeux, c'est qu'on n'a pas de petite carte pour nous dire précisément où est l'arène. Alors que même dans la... cette géant là, quoi. Alors peut-être c'est moi qui ai un vieux connard paumé, hein. Éventuellement. Pas de chance, tu es venu pour la course, elle est déjà terminée, j'ai remporté la première place. J'imagine ta déception. Tiens, une cesse. Bah, attends quoi? D'accord, merci. D'accord, c'est le chef de la reine. Bon bah au moins on sait où aller. Mais sérieux, juste comme ça? Comme ça il me donne force, même pas de... Oh... D'accord, pourquoi pas, après tout. C'est bizarre, mais ok. Donc c'est une arène de type quoi, ça? Roche? Ah, l'eau! L'eau, c'est son point faible, hein, tu dis? Allez, monsieur Bitonnet, on va te mettre en premier. Oh, c'est rigolo, ça rime. On se tape des barres dans ce let's play, putain. C'est trop marrant. Et bah allez, deuxième arène. Mais j'avoue que j'ai... Bon, c'est pas grave, au moins on va tous les allumer un par un, c'est mieux que rien. Cabricoc. Bitonné. Bibaracua. Ah ouais, ça les... Wow, il lui reste un PV, le bâtard. Et bah, tu sais quoi, mon pote? Tu vas te prendre un... C'est bon, je peux jouer. Un vive attaque. Chef. Oh. Ouais, je sais, je suis vraiment une merde. Le reliquante. C'est pas un Pokémon... Oh, roche. Si, il y a un peu d'eau en lui, hein. On va quand même l'attaquer. Ah, tant qu'il est confus, moi je m'en branle. Hein. S'il se blesse en plus, c'est parfait. Merde. Il est mort. Bon bah je pense que l'heure est venue de montrer Machoke, son vrai nom que j'ai donné. Alors, pour préciser, il n'y a pas de blague sombre. Hein, clairement, c'est assez visible le nom que je lui aurais donné. Car tout simplement, je l'appelais Machoke. Ouais, j'avais vraiment pas trouvé d'alternative. Hein. Au pire, j'aurais pu l'appeler Macaca, mais... C'est nul en français, Macaca. Au pire, mon caca, pourquoi pas, mais bof. Machoke, mon caca, non. Machoke, c'est beaucoup plus mieux, je trouve. Eh bah tant mieux, moi j'aurais pas eu à te censurer. J'aurais pas eu à le censurer, mais attention, le petit truc comme ça pour que vous le voyez pas. Par contre, je tiens à rappeler que, malgré que je donne des noms à mes Pokémon là, Xerneas, quand on l'aura, je ne changerai pas son nom. Alors, je laisserai le nom de Xerneas, c'est un légendaire, faut le respecter un peu quand même. Quoique bon, il y a déjà trop de trucs que je respecte pas sur Terre, donc bon, le Pokémon de merde... Oh flûte, je suis coincé, quelle bande de petits sacripants les développeurs, ils m'ont bien eu. Fils de pute. Bah non, attends quoi?
Qu'est-ce que je branle là? T'es en train de me dire qu'au lieu de me combattre avec ce petit fils de pute, j'aurais pu juste aller là et esquiver le combat? C'est littéralement ce que le jeu est en train de me dire, on est d'accord. Je ne suis pas fou. J'aurais pu esquiver cette petite merde. Putain. Oh, je sens que la reine va être chiante à faire. Déjà que petite bite et bitonné, il est mort et on n'a même pas de rappel. Ouais, ce qui est très emmerdant du coup. Oh, tu te fous de moi. Bon, ça va, il n'y en a qu'un seul, c'est pas si grave. Par contre, contre le champion de la reine, là, ça va être la merde. Allez, ma coke. Oh, il fait mal, hein. Ça aurait été mieux de faire deux... De le faire en une attaque, mais bon, on va dire que c'est mieux que rien, déjà. Arpar, Arpad, le montagnard. Ouais, il a une gueule de montagnard. Mais c'est normal, c'est parce que c'est le but, putain. Mais qu'il est con ce youtubeur de merde. Oh. Oh non, vous êtes dégueu. Yes, je l'ai esquivé. Je ferai pas son combat. Oh, si on peut esquiver des combats, je vous jure que je le ferai. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Hein. On a un let's play à finir au plus vite. Déjà qu'on est à l'épisode 7 pour la deuxième arène. Et quand vous avez vu mon let's play de Pokémon Let's Go, vous savez à quel point deux arènes... Voilà, cette vidéo c'est vraiment peu. Littéralement, j'ai fait la première arène dans Pokémon Let's Go dans la première vidéo. Ce qui veut dire que c'est un manque de respect aussi, hein. Première vidéo. J'aurais pu faire dans la deuxième, mais non. Je voulais manquer de respect au jeu. Et j'ai réussi du coup. Ah, il est là le champion. Petit connard. J'attendais le coup tendu, le coup, pas seulement les bras et les jambes aussi. Mais qu'attends-je? Un challenger. Je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Et je suis impressionné que tu aies réussi à grimper cette paroi. Tu es un vrai homme mimigal. Je vais donc pouvoir déployer ce cou, ces bras et ces jambes qui me réclament de l'attention. Certes, ma taille ne me rend l'escalade plus facile, mais sois sans crainte. En combat Pokémon, cela ne compte pas et tu pars sans handicap. La question reste... Réussiras-tu à atteindre des sommets contre moi? Ah, il s'est craqué, c'est dégueulasse. Lino! Amagara. Allez, cocaïnoman. Oh putain, on va se faire déchirer. On est déjà mort. Ça va partir en montage cette vidéo. Ça me casse déjà les couilles. Ça va partir en montage. Je le sens. Miam miam miam. J'ai envie de faire des meurtres. Encore. Waouh. Ah, ça se tente, hein. Bon, c'est bien, il n'y aura plus de soin au moins. C'est mieux que rien. Meurs. Je vais commencer à faire de l'XP hors vidéo. Il va vraiment falloir que je m'y mette, là. Très sérieusement. Bon, bah on se retrouve devant le poste de l'arène du coup. Hein. Ouais. Bon, bah on se retrouve.
Bon bah voilà, désolé, hein, ça m'avait beaucoup trop cassé les couilles, je l'ai fait beaucoup trop de fois, donc voilà. Une nouvelle peur se dresse devant moi et cette fois c'est de toi qu'il s'agit. Blablabla. Parfois, on a beau étendre le bras de toutes ses forces, certaines choses restent inaccessibles. Alors il faut s'accrocher. S'accrocher, c'est la clé de tout, en toutes circonstances, envers et contre tout. J'ai senti que toi et ton équipe, vous chérissez ces valeurs, vous aussi. Vous méritez bien votre trophée, mon badge mûr. Ouais, oui. Avec ce badge, tu pourras avoir des Pokémon niveau 40. Même s'ils proviennent d'échanges. Et puis, je voudrais t'offrir ça. Il s'agit de ton broche. C'est une attaque basée sur des jets de pierre en tombant et il limite les mouvements des adverses et réduit la vitesse de l'ennemi. Le mur d'escalade. Allez, ta gueule, connard. Allez, barre-nous de cet endroit de merde. Avant que d'autres connards me cassent les couilles. Waouh, waouh, je vole. Du coup, un petit truc aussi que j'ai fait hors vidéo parce que je voulais pas le faire en vidéo et parce que ça me brisait juste les couilles. Alors c'est juste emmerdant qu'il n'y a pas de touche spécifique, contrairement au jeu. Voilà, ceci. Là 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 là, je l'ai pris. Et j'ai aucun regret de l'avoir pris hors vidéo. Bon, par contre, j'avoue que je sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'avoue que je sais même pas où faut aller parce qu'en général, on nous met un personnage de merde pour nous dire hé, hey, connard, faut que t'ailles vers là. C'est trop bien. Mais là, que dalle. Donc, bah, on va remonter tout au haut. Hein. Bah j'imagine qu'il faut passer par là. Oh, attends, c'est vrai qu'il avait dit que la CS faudrait la mettre à quelqu'un dès qu'on termine le combat avec lui. Donc elle est où cette conne? Bit. Non, pas toi. On va la donner à petit caca. Histoire qu'il se torche le cul avec la force. C'est marrant! On va t'enlever charme parce que c'est un truc de merde. Déjà c'est type fée. Je prends un Pokémon de type roche, c'est un peu de la merde. Et tada, il apprend force. Ouais. Oui. Ouais. Aéropic. Ça va être pour le Pokémon de type vol. Ah. Allez. Je suis bloqué ici, c'est de ta faute, tu vas payer. Ah, pardon. Tiens, bah. Merci. Ah, on peut faire ça aussi maintenant. Merde. De la merde, je présume. Oui, un bon gros caca de merde. Miam, 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 miam. Merci, madame. C'est très gentil. Et du coup, on a personne d'autre là. Ils sont où les autres trous du cul qui nous servent d'amis? Bon, ben on les a pas. Aucune idée d'où ils peuvent être, hein, mais bon. Vraiment zéro idée là, c'est.
Mais je dois aller où là du coup? Bah non, boutique de vêtements, je m'en branle moi. On va rester avec les mêmes vêtements comme un crasseux. Non, pas intéressant. Café. Ah bah oui, par là. Suis-je con? Mardas. Putain de merde. Heureusement qu'il y en a qu'un seul. Allez. Problème réglé. Ah, putain. Oh, je le sens mal. Ouais, je sais, faut que... Oh, merde. Mais dis-moi, infernal gamin, il n'y aurait pas un os ou plutôt un fossile entre nous? Tu m'empêches de remplir ma mission et maintenant tu vas dénaturer ce site. Est-ce que tu as la moindre idée de l'endroit où tu te trouves, ces alignements, plus de 3000 ans? Et à quoi bon te parler? Autant essayer de rendre le rose fluo élégant. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid et crois-moi, j'ai grand faim. Mais c'est tellement random de la façon dont on nous le met, c'est horrible. C'est tellement random, il n'y a même pas en mode quelques membres un peu avant que tu vois aux alentours et tu te dis, ah, il y en a peut-être un qui va nous prendre par derrière. Non, là, c'est hop, il est là comme ça, t'as même pas le temps de réagir. Oui. C'est horrible. Allez, hop. Oh putain, comment il frise. Parfait. Dracon. Ah, j'ai encore perdu. Ok. Bon, tu peux aller te faire foutre maintenant. Ah. Entendu. Ah, le dernier cri en matière de fashion et de high-tech, cet holo-kit. Grâce à lui, je sais quelle est ma nouvelle mission. C'est l'instrument branché des gens branchés. Bref, c'est pas pour toi. Pour ce, à plus. Bah, plus, hein, bisous. Bon, bah, moi, je pense qu'on va aussi s'arrêter ici. Hop, attendez 2 secondes, je sauvegarde. On va s'arrêter là. Moi, de mon côté, je vais faire tous les ennemis et une tonne de Pokémon que je peux me taper. Je vais faire énormément de combats de mon côté, histoire de bien augmenter de niveau. Peut-être pas pour arriver à niveau 30, mais quand même, je vais essayer. Du coup, bah, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était Limikoupa et puis à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.